Voyons maintenant les résultats scolaires. Les résultats scolaires sont disponibles donc dans l'onglet Résultats scolaires et trois items sont à ta disposition: bulletin, répertoire des évaluations et remédiation. Commençons par parler des bulletins. Là, je suis sur la page des bulletins. Alors ici, il s'agit d'un bulletin de la dernière période de l'année pour un élève ancien de l'ISND. Et cet élève avait accès à tous ses bulletins, depuis le bulletin 0, qui est un bulletin un peu particulier qui vient en deuxième, depuis le bulletin 1 pour tous les autres élèves. J'ai sélectionné 1 et puis OK. Et donc j'ai maintenant le bulletin 1, bulletin 2, et ainsi de suite pour tous les bulletins jusqu'à la fin de l'année. À noter que les bulletins ne sont disponibles en ligne que après avoir été distribué en version papier. Si tu ne viens pas chercher ton bulletin en version papier, tu n'en disposeras pas en version en ligne. Résultats scolaires, répertoire des évaluations. Après chaque évaluation, le professeur pourra noter les résultats dans son carnet de cotes et les informations sont disponibles ensuite en ligne immédiatement après l'interrogation ou après le devoir. Ici donc, pour le cours Néerlandais 4 heures de Madame Van de Kelder, en période 1, voici les résultats obtenus pour cet élève, 10 sur 10, très bien donc. En période 2, toujours 10 sur 10. En période 4, toujours et encore toujours 10 sur 10. Et en période 5, à un petit accident qui est indiqué en rouge avec un 8 sur 20. Ces informations ici ne vous dispensent pas de consulter les bulletins car le calcul de la situation dans le bulletin n'est pas une simple addition des cotes. Troisième et dernière chose, mais nous n'en parlerons pas plus longuement ici, il faudrait une vidéo rien que pour cela, les remédiations. Lorsque une remédiation est prévue par un professeur, eh bien, elle est disponible ici et tu vas pouvoir t'y inscrire. Mais nous parlerons de cela éventuellement dans une autre vidéo plus tard car le sujet est un peu important. Voilà, pour ce qui est des résultats scolaires, je te propose de passer à la suite dans quelques instants.